Depuis tout petit, j'ai été fascinée par les couleurs. Alors, par les yeux coréens, il y a différents que les européens. Les couleurs rouges, orange, jaune, marron, c'est quand même assez très riche dans les couleurs. Vous savez déjà, notre pays, 4 saisons, c'est très net. C'est très net, c'est printemps, l'été, automne, hiver. Autant c'est tellement beau, toutes les montagnes à Séoul, de capitale, il y a de sublimes couleurs de jaune, orange, rouge. Dans notre pays, encore, il y a beaucoup d'artisans qui cherchent les couleurs, les vraies couleurs végétales dans la montagne. Pour moi, c'est très important dans cette technique, mettre dans mes vêtements et par les silhouettes asiatiques, transformer en Europe. Donc il y a beaucoup de femmes, ils ont trouvé des nouvelles silhouettes et je cherche d'ailleurs toujours ça. Et je travaille, c'est toujours la base du coréen. Esprit de hanbok, c'est très large, très libre aussi. Hein. C'est pas comme kimono, on se fait, comme on va faire serré, c'est pas ça. Le hanbok toujours, c'est un esprit large. C'est une exprime de hanbok. C'est toujours même scar, la veste, les robes sirène, même le grand robe, même n'importe quel vêtement. Et on trouve hanbok dans mes vêtements de silhouette. Dans notre pays, la façon de sexy, c'est justement, on ne montre pas le corps, mais avec le vêtement, ça se parle le sexy. On a dit, on cache tout le corps. Moi, par contre, pas, je cache tout le corps. Mais en même temps aussi, j'aime bien montrer mon corps, mon cœur dans le vêtement. Donc c'est le silhouette, comme dragon. On ne sait pas comment ça sort. Dans ma manière de mon travail, moi je connais très bien le plus haute technologie du Japon, parce que je travaille avec le Japon aussi. Je connais aussi dans la montagne, il y a des mille ans restés dans le temple, les moines travaillent avec eux-mêmes toute la vie dans le zen. Tu connais deux mondes. Quand c'est prêt à porter, on a besoin de tout. Mais quand je travaille beaucoup dans la couture, ce que j'ai appris en France, c'est pas le très important haute technologie. C'est le très important. Plus en plus, à mon avis, c'est le vraiment important, c'est la main d'œuvre et du cœur de vêtements. Et c'est aujourd'hui l'homme besoin de ça. Tout le travail de la main d'œuvre artisan.